Nous saluons l'Église dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. We are greeting the church in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la maison de Dieu. We are happy to find ourselves again in the house of God. Nous allons commencer par chanter un cantique. We will start by singing a hymn. Only Believe, le numéro 1. Only Believe, hymn number 1. Feel no little flaw from the coast to the floor, from death into life he went for his own. All power in earth, all power above is given to thee for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe. Fear not, little flock, heed of the hen, your shepherd select the path you must tread. The word of my heart is written for thee. His mouth calls the bitter. Fear not, little flock, whatever your loss, he enters God's room, the doors being shut. He never forsakes, he never is God, so count on his presence. Amen. Amen. Savez que c'est la plus grande puissance que l'Église a pu avoir. The greatest power that the church can have. Est seulement de croire. Is only to believe. De croire toute la parole de Dieu. And to believe all of the word of God. Nous allons nous lever justement pour lire la parole de Dieu avant comme parole d'introduction. We will stand to read the word of introduction. Dans le livre des Hébreux. In the book of Hebrews. L'épître de Paul aux Hébreux. The Epistle of Paul to the Hebrews. Chapitre 13. Chapter 13. Nous lirons ainsi à partir du verset 7. We will read from verse 7. Et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre de l'épître. And we will read until the end of the chapter.
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus Christ, the same, yesterday and today and forever. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. Amen. Nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le droit de manger. We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burnt without the camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp en portant son nom propre. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. For here have we no continuing city, but we seek one to come. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice des louanges, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. But to do good and to communicate forget not, for which with such sacrifices God is well pleased. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Amen. Pray for us, for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly. Amen. C'est avec instance que je vous demande de le faire, de prier pour vous, pour le conducteur, afin que je vous sois rendu plus tôt. But I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner. Amen. Amen. Quel est Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. On peut peut-être s'arrêter ici parce qu'après il envoie les salutations. Maybe we can stop there because here he gives us greetings. Ainsi, nous allons prier.
So we are going to pray pour les uns pour les autres. For one another. Pour les conducteurs comme l'apôtre Paul a demandé. And for the leaders, as the apostle Paul requested. Et afin que nous puissions imiter nous-mêmes nos conducteurs. That we may imitate our leaders. Et voir la fin de leur parcours, de leur vie. And see the end of their life. C'est là ce que nous cherchons à pouvoir voir Christ au-dedans de ces hommes. This is what we are seeking to see, Christ in these men. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. And this is what we are seeking for. Être comme eux. To be like them. Comme Paul était aussi, il imitait Christ. As Paul was imitating Christ. En imitant Paul, in imitating nous Paul, imitons Christ. We are imitating que Paul Christ, a imité. Who Paul imitated. Et c'est ça que nous voulons voir. And this is what we desire to see. Marchant de cette façon-là, to walk in this way, afin d'offrir finalement à Dieu, that we may finally offer to God, les sacrifices de nos lèvres, the sacrifice of our lips, qui confesse son nom, which confesses his que name, tout ce qui sort de notre bouche, let all that comes out of puisse our mouth, confesser le nom du Seigneur, confess the name of the Lord, et pas prendre part, and not take part, aux choses qui n'édifient pas, in things which do not edify, aux choses qui parlent des autres, in things where we speak of mais others, les sacrifices de nos lèvres, but may the sacrifice of our lips, puisse être des paroles qui confessent que Jésus est Seigneur, be words that confess that Jesus is Lord. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Nous allons prier. We are going to pray. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loves me. Let us pray. Notre Père et notre Dieu. Oh Father and our God. Nous te disons encore une fois merci. We are saying thank you to you again, Lord. De nous avoir ainsi rassemblés dans cet endroit. For having assembled us in this place. Pour nous parler, Père. To speak to us, Father. Pour donner des conseils, des véritables conseils. And give us your counsel or advice. Et qui nous aideront, Père tout puissant.
which will help us à pouvoir marcher correctement dans ce monde. To walk correctly in this world. Nous te demandons pardon, Père, pour toutes les négligences. We ask you forgiveness, Father, for all the negligence. Pour tous les péchés que nous avons commis, Père. For all the sins that we have committed, Father. Les choses qui ne t'ont pas honoré. Things which did not honor you. Mais Dieu de grâce, nous avons pris la décision. But God of grace, we have taken the decision. De te suivre, Père Tout-Puissant Dieu. To follow you, Father. Et de ne point retourner en arrière. And to not go back. Aide-nous, Père Tout-Puissant, à réaliser cela. Help us, Almighty Father, to fulfill this. Car il est dit, Dieu de grâce. For it says, God of grace. Que vos cœurs soient affermis par la grâce. That your hearts be strengthened by the grace. Et non par les aliments. Et non par les aliments, non pas de mie. And not by meat. Oui, oui. Pour le Dieu de grâce, c'est que nous sommes venus chercher ici. What we have come to seek for. Que ce cœur soit réellement affermi. May our hearts be truly strengthened. Et que Dieu de grâce, nous ne puissions pas retourner à des choses que n'ayant que nous faisions avant. And may we not return to the things that we were doing before. Mais que nous puissions marcher dorénavant. But may we be able to walk forward. De grâce en grâce. From grace to grace. De gloire en gloire. From glory to glory. De révélation en révélation. From revelation to revelation. Combattant le bon combat de la foi. Fighting the good fight of faith. Sans nous laisser décourager par les attaques de l'ennemi. Without letting ourselves be discouraged by the attacks of the enemy. Bénis chacun d'entre nous ici. So bless each one of us here. Et bénis ceux qui ne sont pas présents. And bless those who are not present. Et bénis ceux qui nous suivent en ligne, Père bien-aimé. And bless those who are following us online. Que tout soit pour ta gloire, Père bien-aimé. May all be for your glory. Alors que nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. As we have prayed to you in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Vous asseoir. You may be seated. Whispering hope. On chante encore deux ou trois cantiques, puis nous allons passer directement à la parole de Dieu. We will sing one or two hymns again, and then we'll turn to the word of God. Nous avons commencé un peu avec retard. We started a bit late. Whispering hope, c'est une foi commune. Je ne sais pas comment traduire cela très bien en français. I don't know how to translate this in French. C'est murmurer, enfin, murmurer dans la bouche et l'espérance. Whispering hope is just whispering hope in the mouth. Soft as the voice of an angel breathing a lesson on her. Oh,
un murmure intérieur. It's an inner whisper. Quand tout est en train d'aller mal, when all is going wrong, il dit qu'il y a une espérance. The voice says that there is a hope. Il y a une espérance comme un ancre solide. As a solid anchor. Alors l'âme n'a pas à s'inquiéter quand tout va mal. So the soul does not need to worry when Amen. All is going wrong. Peace, perfect peace, exactement. Paix, douce paix, comme on dit en français, mais en anglais c'est paix, parfaite paix. Peace, perfect peace, or peace, gentle peace, or yes. Sweet peace. Peace, perfect peace, in this world of sin, the blood of Jesus is the Jésus à l'intérieur nous souffle la paix. Jesus within us places the peace. Il murmure au-dedans de nous la paix. He whispers within us car this c'est lui qui contrôle toutes choses. Because he is the one that controls everything. Que passe minute et puis nous allons laisser la parole à sa parole. Passe minute, oh gentle Savior, hear my humble cry. Amen. Pass me not, O gentle Savior, oh, hear my humble cry. When the prophets are asked for my I'm not afraid.
Notre bien-aimé Père Céleste, our beloved Heavenly Father, nous n'avons pas seulement chanté, Père. We did not only sing, Father. Ces cantiques ont tous eu un message profond. This hymn also has a deep message for each one of us. Ça a commencé par « Ne crains pas, petit troupeau ». It started by « Fear not, little flock ». Tu nous as parlé du murmure doux à l'intérieur du cœur. You spoke to us of the whispering hope within our heart. Qui parle de cette espérance qui ne ment pas. Which speaks to us of this hope that does not lie to us. Et nous parlons de la paix parfaite. It speaks to us of the perfect peace. Quand tout ne va pas bien. When all is going wrong. Alors maintenant nous tenons la paix comme Bartimée. So now we stand here, Father, as Bartimaeus. Et nous te demandons de ne pas passer ton chemin par sans nous. Qu'intéresse à nous. And we are asking that you may not pass by our way without being interested in us. Parle-nous, Seigneur bien-aimé. Speak to us, beloved Lord. Console-nous, Père Tout-Puissant. Comfort us, Almighty Father. Reprends-nous là où nous avons failli. Take us again, there where et we failed. Et Dieu de grâce, remets-nous sur le droit chemin. And God of grace, place us on the right way. Utilise ton serviteur que tu vas parler, que tu nous parleras ce soir. Use your servant you will use to speak to us through this evening. Et que Dieu de grâce, que vraiment ce ne soit pas l'homme, mais que ce soit Dieu qui parle. And truly, God of grace, may it not be a man who is speaking, but may God. Car nous allons recevoir cela comme étant la parole de Dieu. But we will receive this as the word of God. Et non la parole des hommes. And not the word of a man. Nous t'avons supplié ainsi, Père. We have prayed this to you, Father. Alors que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. As we have prayed in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Notre frère Sébastien, celui qui va nous parler ce soir. Our brother Sébastien will speak to us this evening. Good evening once again, church. Bonsoir encore, Église. And the grace of God, Jesus Christ, be with us all in Jesus' name. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Has the preacher already been greeted, every one of us? Comme le prédicateur l'a déjà salué chacun d'entre nous. For everyone that follow us on the line. Ou toute personne qui nous suit ainsi en ligne. We believe that the God that blessed all his children is blessed every one of us. Et nous croyons que le Dieu qui bénit tous ses enfants a béni chacun d'entre nous. In the name of our Lord Jesus Christ the Savior. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. May not mistake that any time you sit down for the presence of God, you're not doing mistakes. Ne vous trompez jamais en croyant que chaque fois que vous vous tenez dans la présence de Dieu, vous avez commis une erreur. A house cannot stand without foundation. Une maison ne peut pas subsister sans une fondation. So by you sitting at the presence of God, that is the foundation of your life. Car vous en vous asseyant auprès du Seigneur, c'est la fondation pour votre vie. God begin us. God begin us. Yeah, que c'est Dieu qui nous a ici commencé avec moi. God is the beginning. Dieu est celui qui est le commencement. And he knows all parts of our body. Et il connaît toutes les parties de nos corps. And God is the end. Et il est aussi la fin. As leading from the beginning, so he leading to the end. Et comme il a commencé à conduire depuis le commencement, il conduira aussi jusqu'à la fin. He is the only one that pronounced that rapture is coming. Et il est le seul qui a prononcé que l'enlèvement va arriver. There's no other gods except God of heaven. Il n'y a pas d'autre Dieu à l'exception du Dieu de cieux. Who is the Word? Qui est la parole? And who is the beginning? Qui est le commencement? Without that God, there is no Word. Et sans ces dieux-là, il n'y a pas. And without God that made heaven and earth, there is no beginning. Et sans le Dieu qui a fait les cieux et la terre, il n'y a pas de commencement. That's how tells how God is with us. Et cela nous dit comment Dieu est avec nous. So don't sit down for God's presence like you made mistakes. Et non, c'est comme donc dit que quand vous êtes avec Dieu, vous commettez une erreur. We thank God for the words of consultation that is called this evening. Et nous remercions Dieu pour la parole d'introduction qu'il nous a donnée cette soir. And what we're going to hear for a few minutes now is still recording for that platform. Et ce que nous allons entendre ce soir, ça va ensemble avec ce qui a été dit. Are we going to take the theme of our study tonight, the glory of God in you? Et le thème de notre prédication ce soir, c'est la gloire de Dieu en vous. The glory of God in you is very important lesson for every individual that born
into this world. La gloire de Dieu en vous, c'est quelque chose de très important pour chaque individu qui est né dans ce monde. But I don't know how we're using the glory of God. Mais je ne sais pas comment nous utilisons la gloire de Dieu. It is one of important things that believers are supposed to use diligently. Et c'est quelque chose d'important que les croyants devaient utiliser d'une façon, comment dire? You use the glory of God diligently with the fear of God. Et nous utilisons cela quotidiennement avec la crainte de Dieu. The most intelligent person on earth that God was given all the wisdom on earth. C'est the fear of God is the beginning of wisdom. La personne à qui Dieu avait donné la plus grande sagesse dans le monde a dit ceci que la crainte est le commencement de la sagesse. Yeah. So if you not use the glory of God with fear of God, then you are not worship God in a proper way that God wants his worship to be. Si vous n'utilisez pas la gloire de Dieu et la crainte de Dieu, donc vous n'utilisez pas cela de la façon correcte. You see, when God called King David, he used all his energy and all within him to praise the Lord. Quand Dieu appelait le roi David, il a utilisé tout ce qui était en lui et tout ce qu'il avait pour pouvoir ainsi glorifier le Seigneur. Most of the apostles that God called, they used all their attention to focus to God. Et les apôtres, tous ceux que Dieu appelait, ont utilisé tout ce qui est en eux pour pouvoir ainsi se focaliser sur Dieu. Why? Because they knew who called them. Parce qu'ils savaient qui les avait. They knew who is their foundation. Ils connaissaient leur fondation. They knew who said and it's not fair. Et ils savaient que celui qui avait fait et qu'il ne pouvait jamais faillir. So that is how the glory of God is working in us. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu travaille au-dedans de nous. So therefore we're going to see in the book of Psalm. Et nous avant de lire dans le livre des psaumes. David said for Psalm 122. David dit dans le psaume 122. First one there, you see what he said. Le premier verset, nous allons voir ce qu'il dit. Psalm 122, verse 1. Le psaume 122, verset 1. He said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. That's how you should see how the glory of God work in you. You're glad when you are told to go and worship God is present. Et vous voyez, c'est comme ça que vous voyez comment la gloire de Dieu agit au dedans de vous quand vous êtes invité à pouvoir ainsi aller à la maison de Dieu l'adorer. When Peter called John, said, let us go to the house of God to pray. They go with happiness. Quand Pierre a appelé les gens pour aller à la maison de pour aller prier, ils sont allés avec joie. And for the agreement of heart that they went there, that's why they found that man at the beautiful gate. Et c'est à cause de leur accord ensemble qu'ils sont partis, qu'ils ont trouvé cet homme à la porte appelée. And they stood there with attention that they want to give that man what God want them to give to him. Et ils l'ont regardé avec beaucoup d'attention, sachant qu'ils allaient donner à cet homme ce que Dieu leur avait demandé. Very important thing for life that they gave to the man that is why we still have the word of God virality today. Et par les choses importantes qu'ils ont donné à l'homme, c'est pour ça que nous avons cela rapporté dans la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. When Peter and John was giving that man silver and gold, we would not hear. Si Pierre et Jean avaient donné à cet homme de l'argent ou de l'or, on ne s'entendrait pas ça jusqu'à aujourd'hui. They pronounced it that silver and gold I have none. Ils ont dit que l'argent ou l'or nous n'en avons pas. But what I have, I'm going to deliver it now to you. Mais ce que j'ai, je te le donne maintenant. The God of heaven that can heal all diseases. Le Dieu des cieux qui peut guérir toute maladie. That is the one I call unto you in His name. Stand up and walk. C'est celui que j'invoque sur toi alors de son nom, lève-toi et marche. So what is the problem that can barrier us not to glorify God? Et quel est le problème qui peut nous empêcher de ne pas glorifier Dieu? What is the fear of God? What is the fear in you that cannot glorify God? Quelle est la peur en vous qui peut vous empêcher de glorifier? He gave millions of promises in His holy word. Il a donné des millions de promesses dans sa parole. C'est quoi? Unto me, il dit, invoquez-moi. I will answer. Et je vous répondrai. Never God say lie for his life. Dieu ne dit jamais de mensonge. He said respected his word more than his name. Et il respecte la parole plus que son nom même. That should tell you how important
important God value us for when we call. Et c'est là où vous dites l'importance que Dieu accorde à cela quand nous l'invoquons. The number one question is, do we value God? La première question, c'est que nous donnons de vraiment de l'importance ou de la valeur à Dieu. The glory of God in me and you, how do we glorify Him? La gloire de Dieu en vous, en moi, comment est-ce que nous le glorifions? David sees this glory in his life and he praises God all the time. Et nous pouvons voir cette gloire dans sa vie et nous voyons qu'il glorifie Dieu tout le temps. If you go to the city of Coventry today, si vous allez dans la ville, dans la cité de Coventry, the sun is shining very good. Et vous verrez que le soleil est en train de briller bien fort. People should be saying thank you God for this year, that weather. Les gens pouvaient dire oh Seigneur merci pour ces beaux. But you will hear a lot of complaining. Et vous entendrez beaucoup oh, de. Oh, the weather is too hot. Oh, que le temps est trop chaud. And many of them are going out naked with tattoo all full in the body. Et beaucoup sont alors nus avec des tatouages partout sur le corps. Is that the glory of God in you? Et c'est ça la gloire de Dieu en vous. Is that the glory of God that God wants in us? Et c'est ça la gloire que Dieu veut voir en nous. God brings us in this world for a purpose. Dieu nous a amenés dans cette vie, dans ce monde. One of the most important purposes is for us to glorify Him. Et l'un des buts les plus importants de pouvoir ainsi les glorifier. When Jesus Christ went to that cross of Calvary, said it is finished. Quand Jésus est allé sur cette croix de Golgotha, il a dit c'est fini. Nobody should have any issue to say I was not here. Personne n'est pas à avoir alors une raison de dire que je n'étais pas aidé. I don't know what to praise God. Je ne sais pas quoi pour quoi. Because I did not have money to buy gold or land. Parce que je n'avais pas l'argent pour acheter de. I did not have money to buy car or whatever pigeon to kill for my redemption. Et je n'avais pas l'argent pour acheter une voiture ou quelque chose pour ma rédemption. Jesus Christ was redeemed us. Jésus Christ nous a racheté. And put that seal in us. Et il a mis ce sceau en nous. He said, "My peace I give to you." Dit que ma paix je vous la donne. It's not as the world has given. Non point comme le monde la donne. The peace I give to you is everlasting peace forever. La paix que je vous donne est une paix éternelle. And that's why I went to that cross because my father told me and I agree. C'est pour ça que je suis allé sur cette croix que mon père me l'a dit et je l'ai. I pay it all. J'ai payé tout. And David knew how God. Lord Jesus Christ paid this all for us. Et David savait comment Dieu avait payé tout ça pour nous. He first of all see for himself. Et il l'a vu pour lui-même. And he tell the children of Israel. Et il dit ainsi aux enfants d'Israël. Who God is with him. Avec qui Dieu était. Let's see for the book of Psalm 121. Please. Regardons dans le psaume 121. Psalm 121, we read from verse 1. Depuis le premier verset. I will lift up my eyes unto the hill from whence cometh my help. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. My help coming from the Lord. Mon le secours me vient de l'Éternel. Which made heaven and earth. Qui a fait les cieux et la terre. He will not suffer thy foot to be moved. Il ne permettra point que ton pied chancelle. He that keep thee will not slumber. Celui qui te garde ne sommeillera point. Behold, he that keep Israel shall neither slumber nor sleep. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. The Lord is thy keeper. L'Éternel est celui qui te garde. The Lord is thy shield upon thy right hand. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. The sun shall not smite thee by day. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Nor the moon by night. Ni la lune pendant la nuit. The Lord shall preserve thee from all evil. L'Éternel te gardera de tout mal. He shall preserve thy soul. Il gardera ton âme. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even for
evermore. Amen. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Let us pray. Prions. Our God in heaven that knows all things in us. Notre Dieu aussi qui connaît toutes choses en nous. We thankful to you for whom you are. Nous te disons merci pour ce que tu es. God that formed everything by your own wisdom and knowledge. Dieu qui a formé toutes choses par ta propre sagesse et par ta sagesse. We said glory be to your name forever and ever. Nous disons que la gloire te soit rendue à jamais. You not leave us astray like a sheep that not have guidance. Tu ne nous laisses pas nous égarer comme des brebis qui n'ont point de berger. You care for us wherever we are. Tu prends soin de nous pour qu'importe où nous sommes. You care for us beyond the expectation of human thinking. Tu prends soin de nous au-delà de l'espérance même de l'homme, de la pensée humaine. You give us the greatest things for life, the Holy Spirit. Tu nous donnes les choses les plus importantes dans la vie, le Saint-Esprit. Not only giving, and you tell the Holy Spirit to teach us and to dwell with us. Non pas seulement de donner, mais tu as demandé au Saint-Esprit de nous enseigner et d'habiter, de demeurer avec nous. Whatever we may find difficulty, the Holy Spirit interpreted for us. Et quand c'est tout ce que nous trouvons difficile, le Saint-Esprit l'interprète pour nous. Because it comes from you. Parce que cela vient de toi. And you perfectly furnish before he comes. Et tu pourvois pour lui avant même qu'il puisse venir. We say glory be to your name. Disons que la gloire te soit rendue. Whenever we look into your word. Et quand nous regardons dans ta parole. God will not hear to speak the word of our own but your word. Nous sommes pas ici pour parler de nos propres paroles mais de ta parole. And we asking you alone to take control and interpret it more and more in our life. Et nous te demandons toi seul de prendre le contrôle d'interpréter ta parole. Thank you that your presence is here. Merci car ta présence est ici. In the name of our Lord Jesus Christ, the Savior, we pray. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur, nous prions. Amen. Amen. From where we read from Psalm 121. Depuis le psaume 121 que nous avons lu. As I said earlier, David knew who God is in his life. Comme j'ai dit avant, David savait quelle est l'importance de Dieu dans sa vie. And that is why he said, when he lifted up his eyes to hills. C'est pour ça qu'il dit que quand il lève ses yeux vers les montagnes ou les collines, ici, he knows where the help of God comes to him. Il savait d'où provenait l'aide de Dieu. And he said therefore, verse 2, he said, my help coming from the Lord. Au verset 3, dit que mon secours, mon assistance, mon secours. Which made heaven and earth. Qui a fait les cieux et la terre. He doesn't come for any other form. Il ne vient pas de quelque autre endroit. You will see today for many places in the world. Vous verrez qu'aujourd'hui dans plusieurs endroits dans le monde. So many preachers are fighting for how to pay tithe. Et beaucoup de prédicateurs se font de la guerre pour voir comment vous payez les dîmes. And they dig into that with the members of the churches. Et ils font cela vraiment avec les membres de l'église. They forget that salvation comes first. Et ils oublient que le salut vient avant. Before any other thing may needed to be added. Et avant encore qu'autre chose puisse être ajoutée. Jesus Christ said in the book of Matthew. Et Jésus a dit dans le livre de Matthieu. He says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. And all other things shall be added unto you. Et toutes autres choses vous seront ajoutées après. He goes back and says for the book of Jeremiah. Et il connaît en disant dans le livre de Jérémie. He says, call unto me. Il dit, invoquez-moi. And I will answer thee and show thee the great and mighty things which thou knowest not. Et invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. He goes back to the book of Proverbs. Et il continue dans le livre des Proverbes. And say it. Et il dit ceci. Trust in the Lord with all thy heart. Dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. And lean not unto thy own understanding. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Thy ways acknowledge him. Et dans toutes tes voies reconnais-le. And he shall direct thy path. Et il dirigera tes pas.
I wonder why a preacher should carry the word of God, not to tell the audience the word of God. Et je me demande comment un serviteur pourrait ainsi conduire l'évangile sans la parole de même. He carries the word of God and come out to the pulpit. Et il conduit la parole et vient ici à la chair. And first of all, tell whoever bring the time should come here. Et dit que c'est tous ceux qui ont la dîme vient ici. I tell you what, tithe is good for the church, but it will not take you to heaven. Je vous dis que les dîmes sont bonnes pour l'église, mais ne vous amèneront pas au ciel. Only believe. Croyez seulement. Only believe. Oh, croyez seulement. All things are possible. Toutes sont possibles. That is the way to heaven. Et c'est là le chemin du ciel. Believe in the Lord Jesus Christ. Croyez au Seigneur Jésus Christ. Not tithe and offering. Et non, pas dans les dîmes et les offrandes. Tithe and offering is something that should come willingly from the members. Les dîmes et les offrandes, c'est quelque chose qui doit venir volontairement de membres. It's not something a preacher should force the members. Say, if you don't pay your tithe, you're not going to heaven. Et c'est pas quelque chose que les prédicateurs doivent obliger, forcer les gens. Absolutely lie. Si vous ne payez pas, vous n'allez pas au ciel. Ce sont des mensonges. What account will you give to thousands of these people you lie for? Et quel account allez vous donner à ces gens à qui vous mentez comme ça? What account will you give to yourself? Quel est le compte que vous pouvez donner à vous-même? Are you really a preacher that called from God Almighty? Ou est-ce que vous êtes un prédicateur appelé de Dieu Tout-Puissant? A preacher has to say the word of God. Et un prédicateur doit prononcer la parole de Dieu. Not of his own word, that selfishness. Non pas sa propre parole de d'égoïsme. When Elijah appears for the Baal worshipper, quand il s'est présenté devant les adorateurs de Baal, he told them, call your God before I come and call my own. Il leur a dit, appelez votre Dieu avant que j'appelle le mien. Then we shall know who God is superior. Et nous verrons quel est le Dieu qui est le vrai Dieu, qui est supérieur. The Baal worshipper will call their God from morning till night. Et les adorateurs de Baal ont appelé Baal depuis le matin jusqu'au soir. Elijah says, is that it all? Et il a dit, est-ce que c'est fini? Now I come to call my own. Maintenant je vais appeler le mien. He said, God, you are the one who called me as a prophet of yours. Il a dit, Dieu, vous êtes celui qui m'a appelé comme étant votre prophète. I call unto you now to answer by fire. Et je t'invoque maintenant pour répondre par le feu. And God answered him instantly. Et Dieu a répondu instantanément. So he called unto God, he doesn't call time. Et il a appelé à Dieu, il n'a pas appelé aux dîmes. He told them who God is. Et il leur a montré, il leur a dit qui était Dieu. He did not dare to praise himself. Il n'était pas là pour pouvoir se glorifier. Or to show himself. Ou de se montrer lui-même. But he was there to show them who God is. Et il était là pour montrer qui Dieu est. David said here for the children of Israel. Et il est pour les enfants. He said, my help coming from the Lord. David dit que mon secours vient de l'Éternel. Which made heaven and earth. Qui a fait les cieux et la terre. He will not suffer my foot to be moved. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. He that keep thee will not slumber. Celui qui te garde ne sommeille pas. God is not a confused God. Il n'est pas un Dieu de confusion. What he say is real and perfect. Et ce qu'il dit est vrai et parfait. He doesn't talk this minute and the next minute say, oh, that's not what I say. Et il ne dit pas une chose depuis la minute suivante, dit que ce n'est pas ce que je voulais dire. All what he made, he sees them that is good and he blessed them. Tout ce qu'il a fait, la vie que c'était bon, il les a bénis. Because why? He's a perfect God. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu parfait. So you don't be coming out with the word of God and confuse people. Et vous ne venez pas avec la parole de Dieu pour amener la confusion parmi les gens. The offering and tithe, what does that going to be? Et les offrandes, les dîmes, qu'est-ce que cela va être? If a true believer knew that this church is a church of God. Et si le vrai croyant sait que cette église est la véritable église de Dieu. Rent need to be paid. Et le loyer doit être payé. Electricity need to be paid. L'électricité doit être payée. Water that we use here need to be paid. L'eau que nous utilisons doit être payée. They, even though the preacher is not preaching to the tithe. Et même si le prédicateur ne prêche pas sur le tithe. He will approach the preacher, how do you pay the bills of the church? Il approchera le prédicateur pour lui demander, mais comment faites-vous pour payer? For you to come out with the lies word. Sorry, say it again. To come out with the lies word. Au lieu de venir avec le parole de mensonge, can
A true preacher can even stand and show the members where you cannot pay that you can go to heaven. Le prédicateur se lèvera pour montrer même au brebis là où nous les dit que si vous ne payez pas la dîme, vous n'avez pas. Is that the word of God? Est-ce là la parole de Dieu? Or your own personal word? Ou votre propre parole? The Bible tells us say. La parole nous dit ceci. When you add it, it shall be added punishment to you. Yes, la Bible dit si vous ajoutez, il y aura une punition qui sera ajoutée sur vous. And you subtract it, their age will be subtracted. Et vous dites que si vous enlevez, qu'il sera aussi enlevé. Word of God is not a half or is not is not incomplete. It's completed word. La parole de Dieu n'est pas une parole partielle, c'est une parole complète. God completed and put seal. Dieu l'a complété, l'a terminé, il a mis un sceau. And that is why he said that whosoever added, the punishment will be added. C'est pour ça qu'il a dit si quelqu'un ajoute, il sera aussi ajouté dans la punition. Then you to that verse 5 of where we read. Et au verset 5 de ce que nous avons lu. David said the Lord is thy keeper. Il dit que l'Éternel est mon gardien. The Lord is thy shield upon thy right hand. Et l'Éternel est mon bouclier sur ma main droite. Why did he say all this? Pourquoi il dit cela? Because he knew whom God is. Il savait qui était Dieu. Because he knew how God worked in him and his household. Et il savait comment Dieu travaillait en lui et dans sa maison. Verse 4, he said, au verset 4, il dit, behold, he that keep Israel shall neither slumber nor sleep. Il dit que voici celui qui garde Israël ne sommeil ni ne dort. If he wasn't safe for the Israelites, s'il n'a pas endormi pour you les think that he sleep from you today? Pensez-vous qu'il s'endort encore aujourd'hui pour vous? The words of consultation we read. La parole d'introduction que nous avons lue. For the book of Hebrews chapter 13 verse 8. Et le livre des Hébreux chapitre 13 verset 8. Say Jesus Christ is the same. Dit que Jésus-Christ est le même. Yesterday. Hier. And today. Aujourd'hui. And forever. Et éternellement. So what do you try to convince people? Et pourquoi vous cherchez à confondre la confusion? What do you confusing yourself? Pourquoi vous m'amenez dans la confusion vous-même? David knew who he is. David savait qui il était. And he told the children of Israel that he's never slumber. Et il a dit aux enfants qu'il ne sommeille pas. He said the sun shall not smite thee by daytime. Dit que le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Nor the moon by night. Ni la lune pendant la nuit. The Lord shall preserve thee. L'Éternel te gardera. He never only preserve thee. Et il ne garde pas seulement vous. He said from all evil. De tout mal. De tout le mauvais. So that is the greatest how God is. Cela montre la grandeur de Dieu. He shall preserve thy soul. Il gardera ton âme. That is God in us. C'est Dieu en nous. That's the glory of God in us. Ça, c'est la gloire de Dieu en nous. That is the shield of God in us. Ça, c'est le bouclier de Dieu en nous. If a king can, who fear God can see all this. Say again, a king that fear God see all this. Si un roi qui craint Dieu voit tout ça. So what then will you say about yourself and God and the people you govern? Que direz-vous de vous-même et des personnes sur lesquelles vous avez l'autorité? It said therefore, first, it said the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Il dit que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée pour depuis ce jour jusqu'à jamais. Now, tell me how that is leading here to heaven. Dites-moi comment donc est-ce que les dîmes vous amènent d'ici jusqu'au ciel. It preserves you because the glory of God is in you. Il vous protège, il vous garde parce que la gloire de Dieu est en vous. It preserves you because you
a child that fear the Lord. Il vous protège parce que vous êtes un enfant qui garde. He preserves you because you are a child that seek the presence of God. Parce qu'il vous garde parce que vous êtes un enfant de qui cherche la présence de Dieu. He preserves you not only one day or two days or three days. Et il vous garde pas seulement pour un jour ou deux jours ou trois jours. That means that when you preach to the people, when you pay tithe this month, next month you lost your job, you not pay tithe again. Your heaven is cancelled. Et vous pouvez choisir que si vous payez la dîme ce mois-ci, le mois prochain, vous ne pas payer pas de paye de travail. Donc aussi, votre salut est annulé. We are here to pray for fake preachers. Nous sommes ici pour prier pour les faux prédicateurs. Because this is not acceptable. Ce casque-là n'est pas acceptable. God is not happy for such a preaching. Dieu n'est pas de content pour de telles prédications. Please, preachers that preaching the fake news, try to repent. Vos prédicateurs qui prêchez de faux messages. Because the time is too short. Car le temps est très court. There's no time in the grave to say I did not know. Et il n'y a pas le temps dans la tombe pour dire que je ne savais pas. Every one of us are reading this word of God. Tout chacun d'entre nous lit la parole de Dieu. And he promised that this word would go viral before the coming of Christ. Il dit que cette parole sera répandue partout avant la venue du Seigneur. So what will you say when he comes? Et que direz-vous quand il reviendra? If you go to the book of Psalm, that same Psalm 19. Et si vous allez au Psaume 19, verse 1. Le premier verset. Psalm 19, verse 1. Psalm 19, premier verset. It says there's heaven, the heaven declare the glory of God. Amen. Dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. And the firmament shows his handwork. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. So, what are you trying to convince people? Et de quoi cherchez-vous à convaincre les gens? David knew that the glory of God is everlasting thing. David savait que la gloire de Dieu est une gloire éternelle. It was declared there in heaven. Et c'était déclaré là dans les cieux. It declared here on earth. Et c'était déclaré sur la terre. And is forevermore. Et c'est à jamais. It's nothing that would change that. Il n'y a rien qui pourra changer cela. If you go there for verse 3 of that chapter. Et si vous allez au verset 3 de ce même chapitre 19. Verse 3, they said, there is no speech nor language where their voice is not heard. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. I want to charge every members that call themselves believers. Et je vais ainsi challenger, lancer un défi à chaque personne qui t'appelle croyant. I think it is very important that carry the word of God by yourself and read and call the Holy Spirit to interpret for you. Je crois qu'il est important que chacun d'entre nous puisse ainsi prendre la parole pour soi-même et demander au Saint-Esprit d'interpréter pour vous. He pays a lot that the Holy Spirit can interpret the words in the way you can understand very well. Demandez à ce que la façon dont le Saint-Esprit puisse l'interpréter pour vous, afin que vous puissiez la comprendre très bien. Than for you to go and sit somewhere and gather the fake news to yourself. Et en sorte que vous puissiez vous retirer quelque part et lire cela et puis pouvoir ainsi confondre la parole. Which is not the word of God. Qu'il y a des faux messages qui ne sont pas la parole. Now listen for verse 4 of that chapter. Le verset 4 de ce même chapitre. It said the light is gone out through all the earth. Dit que leur retentissement parcourt toute la terre. There was to the end of the world. In them has he set a tabernacle for the sun. Leurs actions vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. So, any language you use to speak to God, chaque langue que vous utilisez pour parler à Dieu, you got to believe that he hears you. Vous devez croire qu'il vous entend. You got to believe any prayer you mention Jesus Christ's name, he will take it to the Father to answer. Vous devez prêcher par prière que vous présentez au nom de Jésus Christ, il va l'amener au ciel devant le Père. Then for you to go and carry what is not the word of God to yourself. Et pour que vous ne puissiez pas prendre la parole de Dieu qui n'est pas la parole de Dieu à vous-même. It is good to listen to the word of God that is real.
Et il est bon d'écouter la parole de Dieu qui soit vraie. And it's good to ask questions for where you don't understand. Et il est bien de poser des questions là où vous ne comprenez pas. It's not an offense for you to tell your preacher this word that I hear. Can you please show me? Et il est bien de demander au prédicateur de cette parole que j'entends, pouvez-vous me la montrer? I want to understand it more. Je voudrais la saisir, la comprendre encore mieux. Remember when Nicodemus was not understood the word of God properly? C'est vrai, quand Nicodème ne comprenait pas bien la parole de Dieu. He left his own sin, no matter how important his sin was, to approach Jesus Christ. Il a laissé son chef, qu'importe que sa position était très importante pour s'approcher de Jésus. Nicodemus was a very influential person in the land of Israel. Nicodème était quelqu'un de très influent dans la terre d'Israël. But he knew that he is human. Et il savait qu'il était un humain. He cannot know everything. It's only God that knew everything. Il savait qu'il ne pouvait pas tout connaître. Il n'y a que Dieu qui connaisse toutes choses. I don't understand this word very properly. Il dit que je ne comprends pas cette parole très bien. Please, can you tell me how can I born again? Pouvez-vous m'expliquer comment je peux naître de nouveau? Can you go and tell your preacher, show me how time will take me to heaven? Et pouvez-vous aller demander à votre prédicateur, votre pasteur, comment est-ce que la vie peut m'amener au ciel? Jesus Christ was openly shown Nicodemus. Et Jésus-Christ a ouvertement. This is the way to believe the word of God. Voici la façon de croire la parole. And that is how you take to heaven. Et cela vous amènera au ciel. Nicodemus was go home with happiness and joy. Nicodème rentre avec la joie dans son cœur. Because he knew who Lord Jesus Christ is. Car il savait qui était le Seigneur Jésus Christ. And the answer he was had was perfectly well. Et la réponse qu'il a eu était parfaitement. He knew that he cannot give him fake words. Il savait qu'on ne pouvait pas lui donner une parole fausse. And he was well satisfied for what he had. Et il était bien satisfait avec ce qu'il avait. Then somebody will come and tell you that don't pay tithe, you don't pay offering, you're not going to heaven. Et que quelqu'un venir vous dire que si vous ne payez pas la dîme et les offrandes, vous n'irez pas au ciel. If you pay tithe today and offering tomorrow, will tell you if you not buy a plane, come, you not go to heaven. Si vous ne payez pas les 10 000 francs aujourd'hui, demain, que vous n'irez pas au ciel quand si Jésus revient. So we got to be the children that we see the glory of God in our life. Et nous devons être ces enfants qui voyons la gloire de Dieu dans nos vies. And we have to glorify God that gives us that glory. Et nous devons glorifier Dieu qui nous donne ainsi cette gloire. That is what God needed for his children that he served for this world. Et c'est ça que Dieu voulait pour ses enfants qui les servent dans ce monde. Do you think that God can set you to a goal that you will not able to bear up? Et vous pensez-vous que Dieu peut vous soumettre à but que vous ne pouvez so pas faire? So if he set you for such goals, the salvation is nothing. Et s'il vous soumet à un tel but, alors le salut n'est pas normal. He tells us that he gives us all what we can handle. Et il dit qu'il nous a donné tout ce que nous pourrons alors supporter. Some people have been calling me and asking me for something about tithe. Certaines personnes m'appellent pour me poser des questions sur le dîme. The little I able to give, they said, brother or sister. Les peu que je pouvais donner, c'est que frères et sœurs. Let me tell you something about tithe and offering. Laisse-moi vous dire quelque chose sur les dîmes et les offrandes. When you sit down to receive the word of God. Et là, vous pourrez recevoir la parole de Dieu. Are they been paying for that house? Est-ce qu'ils payent pour cette maison? Are they paying for other facilities there? Et ils payent pour les autres choses là-dedans? If those have been paid for, if your heart willing for you to pay tithe, go and pay tithe for the church. Et si votre cœur voulait de pouvoir payer la dîme, allez payer la dîme pour l'église. Because most of the true preachers that are preaching the word of God are working to sustain themselves and family. Parce que les vrais prédicateurs qui travaillent pour Dieu travaillent pour pouvoir supporter eux-mêmes et leur famille. They're never ready to force any believers or any members to bring the tithe and offering that is a must. Et ils n'obligent pas les gens à venir payer les dîmes et les offrandes comme c'est un devoir. Jesus Christ never forced anybody to believe on him.
Et Jésus n'a jamais forcé qui que soit pour croire en lui. But he gives a word there that we can understand. Et il a donné par pour comprendre. If you read the book of John, chapter 3, it says, ye must be born again. Et il a donné par exemple, vous devez naître de nouveau. He put that word, but it's not forcing you. Il a mis cela, mais il ne l'a pas dit, il ne l'a pas forcé. But that is the word that will take you to heaven. Et c'est la prochaine parole qui vous amènera au ciel. When the Bible says we can pay tithe, we have to obey the word of God. Quand la Bible dit que nous devons payer les dîmes, nous devons obéir à la parole de Dieu. And that is how we show the glory of God in our lives. Et c'est ainsi que nous manifestons, nous montrons la gloire de Dieu dans nos vies. But it's not a goal that somebody have to force you that you must pay tithe. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit vous obliger que vous devez le faire. What would be the benefit when you pay tithe and you go and commit all atrocities in the street? Et quel est l'avantage que vous devez en faire? Mais vous allez commettre toutes les atrocités. You go back and say, I pay tithe, so I prepare my road to heaven. Et disons, j'ai payé ma dîme, mais je sais préparer ma voie pour le ciel. My dear brother and sister, that's not so. Et mon frère, ma soeur, c'est pas comme cela. We have to be born again. Nous devons naître de nouveau. And this is how we show the glory of God in our life. Et c'est ainsi que nous montrons la gloire de Dieu dans nos vies. Because Jesus Christ gave us that glory to come and die because of my sin and your sins. Jésus a laissé cette gloire pour venir mourir pour vos péchés et les miens. And he gave that word, ye must be born again. Et dans cette parole, vous devez naître de nouveau. It doesn't say ye must pay tithe, but it says pay tithe when you want. Il n'a pas dit vous devez payer les dîmes, mais il a dit payer les dîmes quand vous pouvez. Tithe is one of the necessary things that the Bible said. C'est les dîmes sont quelque chose d'important que la Bible dit. Everything that I'm reading for this holy word of God is necessary. Toute chose que vous lisez dans la parole est nécessaire. But what person will add it there that is not written is out of the word of God. Tout ce que chaque personne ajoutera dans la dedans, ce n'est plus dans la parole de Dieu. First of all, we have to seek God first. Nous devons chercher Dieu d'abord. And that glory of God in us will show us all the ways to praise the Lord. Et cette gloire de Dieu nous montrera comment est-ce que nous devons faire pour louer Dieu. And this is the answer I'm able to give some of the people that are asking me this question. Et c'est une réponse que je donne à certaines personnes qui me posent cette question. I told them it's the word of God. C'est la parole de Dieu. But it's not something that will take you to heaven except born again take you there. Et ce n'est pas quelque chose que vous demandez, c'est une bonne naissance. Now, did you see what the meaning of glorify God in his life is mean? Et David lui montre ainsi quelque chose comment glorifier Dieu dans sa vie. The book of Psalms, there, chapter 19, verse 7. Dans les psaumes 19, numéro 1. He said, the law of the Lord is perfect. Dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Covering the soul. Et restaure l'âme. The testimony of the Lord is sure. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Making wise the simple. Il rend sage l'ignorant. That is what it is for our life. C'est ça qui est là pour notre vie. The law of the Lord is there. La loi de Dieu est là. Verset 8 en français. For us to know God. Pour nous de connaître Dieu. For us to glorify Him. Pour nous de glorifier Dieu. For us to worship Him. Pour nous de l'adorer. As the Lord is good with us. Comme Dieu est bon avec nous. We must show the glory of God in our lives. Nous devons manifester la gloire de Dieu dans nos vies. If you go to verse 11 of that chapter. Si nous allons au verset 11 de ce chapitre. It says, for moreover. Et dit encore de plus. By them is thy servant warned. Verse 11. Yeah. Can you bring down verse 11? Yes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphans. Ils sont plus doux que les miel, que celui qui coule des rayons. And in keeping of them there is great reward. Et le fait de les garder, il y a une grande récompense. By keeping the word of God and the law of God, there is great reward. Et en gardant la parole de Dieu, il y a une grande récompense. Amen. A great reward that you not only have here on earth. Et une grande récompense que vous n'avez pas seulement ici sur la terre. This great reward is something that will take you down there to heavenly kingdom. Et cette grande récompense, c'est ce qui vous amènera d'ici en bas jusqu'au ciel. So it's not something that any forcing thing is not working.
Et ce n'est pas quelque chose d'une obligation qui marche ici. It's willingly. C'est de la bonne volonté. That you can follow up the word of God. Que vous pouvez aller suivre la parole de Dieu. You see, when the apostles were called themselves together. Et vous quand les apôtres étaient appelés ensemble. And they formed everything in common. Et ils ont mis tout ensemble. Many of them will go and sell land or houses and put their money there for the temple. Beaucoup d'entre eux pouvaient vendre leur maison ou bien leur terre pour venir. That they may have what enough to be used. Et pour avoir de quoi et pouvoir et qui peut être utilisé. For all their needs. Pour toutes leurs besoins. None of the apostles that was saying any of them. You must go and sell your house or your land. Aucun apôtre ne disait aux autres, vous devez aller vendre votre terre ou votre maison. If the will of God, the glory of God, the blessing of God touches you to do according to that. Si la grâce ou la gloire de vous touche pour pouvoir faire cette chose pour Dieu. Go and see what it says for verse 14 of that chapter. Au verset 14 de ce chapitre, il dit ceci. It said the words of my mouth. I said, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength and my redeemer. Amen. Amen. Il dit ceci, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point en verset 15. Voilà. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, merci. Et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. It's not something that somebody will force you to go and do it. C'est pas quelque chose que quelqu'un va vous obliger de faire. And it's not something that you cannot do for the a peace agreement of your heart. C'est pas quelque chose que vous devez faire avec pour la paix de votre âme. Don't do it if your mind is not telling you to do. Ne faites pas si votre cœur ne vous le dit pas de le faire. When Jesus Christ come and give us the glory of God, quand Jésus nous donne la gloire de Dieu, he was willingly, fully perfect. Il avait accepté cela, comment dire, volontairement d'une part. And he was agreeing with his Father with joy. Et il était d'accord avec son Père dans la. And he came down and paid that penalty. Et il est venu payer cette pénalité. When Ananias was thinking that he can just do what he liked. Quand Ananias pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. See what was happening with him and his wife. Et voilà ce qui est arrivé à lui et à sa femme. He received the penalty instantly there. Et il a reçu la punition justement là. You can no one on earth can fool God. Il n'y a personne dans le monde qui puisse. You can only fool yourself. Vous seulement vous trompez vous-même. You can fool your other human being. Vous pouvez tromper les autres êtres humains. But you can't fool God. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Because David see the glory of God in him and his people. Car David a vu la gloire en lui et dans son peuple. He said only the fools say there's no God. Il dit qu'il n'y a que les sensés qui disent qu'il n'y a point de Dieu. God has not created us here to be fools. Dieu ne nous a pas créés pour être des esprits. Once you believe in him, his Holy Spirit teach you and lead you. Quand vous croyez en lui, le Saint-Esprit vous enseigne et vous montre. That is how God works in his children. C'est comme ça que Dieu était dans ses enfants. If God was working for the life of David, the king. Si Dieu pour dans la vie de David. That same God we are worship today. C'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. And that same God will be the God forever. Et ce même Dieu sera le Dieu à jamais. And that is why we have that book of Hebrews 13 verse 8. Et c'est ça que nous avons dans le livre des Hébreux chapitre 13. That he is the same. Qu'il est le même. Yesterday, hier, and today, aujourd'hui, and forever, et éternellement. There's no other change above God. Et il n'y a pas un autre Dieu que je. Unless you want to go out and seek other things that is not belongs en to God. Que vous allez en dehors pour chercher des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Or it's not look like God. Et qui ne ressemble pas à Dieu. But God of heaven. Mais le Dieu des cieux. Is the same. Et le même. All the time. Tout le temps. Always. Partout. A king was kings and kings and kings will see the glory of God in them. Les rois et d'autres rois ont vu. Prophets will see the glory of God in them. Sorry. Prophets will see the glory of God in them. Les prophètes voyaient aussi la gloire de Dieu en eux. Apostles of
of God will see the glory of God in them. Pour travailler la gloire de Dieu en eux. We the of this generation will see the glory of God in us. Nous de cette génération voyons la gloire de Dieu en nous. Is God answer your prayer? Est-ce que Dieu répond à vos prières? He answered mine. Il répond, and that is how I knew whom God is. Et c'est comme ça que je sais qui est Dieu. Because I don't go to pay money somewhere to somebody to pray for me. Parce que je ne veux pas payer l'argent quelque part pour que quelqu'un prie pour moi. Prayer is no place in the Bible that they say you can sell prayer. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où on dit que vous devez vendre les prières. Could you believe me that somebody called me? 3 days ago. Et pour vous demander, quelqu'un m'a appelé il y a 3 jours. He told me that so-called prophet in Africa. M'a dit qu'il y a comme un soi-disant prophète en Afrique. Are selling soap and oil for different prices. Ils vendent des savons et des huiles pour différents prix. He give you a soap where you can buy and wash yourself and burn twins. Il dit qu'il vous vend un point, un savon que vous pouvez vous laver vous-même et pour aller au concert, vous allez avoir des jumeaux. A sad news when I hear this. Et j'étais étonné d'entendre cette parole. And this is somebody so called a prophet. Et c'est quelqu'un qu'on appelle prophète. He governed more than 50,000 people at one Simon. Et il a plus de 50,000 personnes pour. You have to buy different kind of oil from him. Et vous devez acheter une huile particulière. You have to buy different kind of soap from him. Et vous devez acheter des savons particuliers de lui. Etc. Etc. Is selling there. Et etc. Etc. Il vend ces choses. When the brother told me, I said, brother, that may be a shopping center. Mon frère, ça peut être supermarché. That is not a church. Ce n'est pas une église. I can what I can say to the man in his presence. Et je peux dire ça en présence de l'homme. I will tell him, brother, to tell. Bible tell me to tell the truth with love. Elle dit que la parole de la Bible nous demande de prêcher la parole. You're not doing the word of God. You have to scan people with this. Et vous ne prêchez pas la parole en trompant pas les gens avec ça. Because if you don't show me where that is written in the Bible, I will say you are a pure liar. Et si vous ne montrez pas ce qui est écrit dans la Bible, vous direz que vous êtes un vrai menteur. There is no disease that Jesus Christ was not cured when he was here on earth. Il n'y a pas de maladie que Jésus n'a pas su guérir quand il était sur la terre. Never a day he sell oil for anybody that bring disease to him. Aucun jour il n'a jamais vendu de l'huile pour quelqu'un qui venait. Never a day he sell soap to anybody who bring disease. Et il n'a jamais aucun jour vendu du savon pour quelqu'un qui venait. And when he called all his prophets, never a day he tell them go and give such soap or cream to. Et quand il a appelé ses disciples, ses apôtres, il ne leur a pas demandé d'aller vendre de savon ou de l'huile quelque part. The only thing Jesus Christ takes to heal when it's time to use any liquid is water. Et la seule chose que Jésus a utilisé quand il a utilisé un liquide quelconque, c'était de l'eau. Is water. C'était de l'eau. So, I don't see how somebody will go and buy soap on market. He said, this is a healing holy soap. Et je ne vois pas comment quelqu'un parlait à leur acheter un savon au marché disant it's que c'est un savon qui fait the generation. C'est une honte pour cette génération. See what David said for the book of Psalms chapter 18 verse 1. Au psaume 18 verset 1. Psalm 18 1. Psaume 18 verset 1. I will love thee, O Lord, my strength. Je t'aime, ô Éternel, ma force. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. Amen. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier. La force qui me sauve, ma haute retraite. You see that David see whom God is in him. David savait qu'il était Dieu en lui. And he stand for the presence of all his congregation, the whole land of Israel. Say, I will love thee because he is his strength. Il dit, se tient devant toute la congrégation d'Israël, dit, je l'aime parce qu'il est ma force. And not only stop there.
He begins to count other things that God is in him. Et il ne s'est pas arrêté là, mais là, commentait à énumérer d'autres choses pour lesquelles Dieu est en lui. He said, the Lord is my rock. Il dit que l'Éternel est mon rocher. And my fortress. Ma forteresse. And my deliverer. Mon libérateur. My God, my strength. Il dit que mon Dieu, ma force. In whom I will trust. Ouh, je trouve un abri où je me confie. My buckler. Mon bouclier. And the horn of my salvation. La force qui me sauve. And my high tower. Ma haute retraite. Do you see where he said he is the tithe that I pay? Et voyez l'endroit où dit que c'est la dîme que je paye. The horn of his salvation. Dit la force qui est de son salut. This own high tower that overcomes everything for him. Sa haute retraite ou sa haute tour qui conquiert. That is how great the Lord is was. With him. Ça veut tout qui combat toutes choses, c'est comme ça que Dieu est avec lui. And that is how great that God is his children that believe in him. Et c'est comme ça que Dieu est grand avec ses enfants qui croient en lui. You should surely call unto him wherever you are. Vous devez normalement l'invoquer à lui, l'invoquer partout. Because you knew that he will answer you. Parce que vous savez qu'il vous répondra. He's not only answer you, he will show you other great and greater things. Il ne vous répond pas seulement, mais vous montrera d'autres choses encore. That you knew not. Que vous ne connaissiez pas. That you knew not. Que vous ne connaissiez pas. See what he said for that verse 3. C'est comme ce qu'il dit au verset 3. Chapitre, psaume 18. I will call upon the Lord who is worthy to be blessed, so shall be saved from my enemies. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. He doesn't call. He said, I will go and pay tithe that he will free me from my enemies. Il ne dit pas que c'est, je vais payer le. He doesn't say I will go and buy soap for that poor pig because he will free me from my enemies. Il dit que je ne vais pas aller acheter des savons. He stood firmly and tied the Israelites himself. Il se tient là tranquille et dit aux enfants d'Israël. He said, call upon the name of the Lord. Il dit, invoquez le nom de l'Éternel. Because he's worthy to be praised. Parce qu'il est digne d'être loué. He shall. I be saved. Je serai sauvé. From my enemies. De mes ennemis. From my enemies. De mes ennemis. That is what he said. For God's glory. Et c'est là qu'il voit de concernant la gloire de Dieu. And he able to tell out to his people. Et il est capable de dire ça à son peuple. See verse 6 there. Regardez le verset 6. He said, in my distress I call upon the Lord and I cry unto my God. He heard my voice out of his temple. And my cry came before him, even into his ears. Amen. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et j'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma voix depuis son temple et mon cri est parvenu devant lui, même à ses oreilles. Hallelujah. Amen. So you see what a believer can focus to. Et voyez sur quoi les croyants doivent se focaliser. The Bible said, tell us plainly, don't labor for bread that perishes. La Bible nous dit, ne travaille pas pour le pain qui périt. But labor for the bread that will take you to everlasting covenant. Mais travaillez pour le pain qui vous amènera dans l'alliance éternelle. A true Christian should not sit down for somebody to come from anywhere to deceive him or her. Un croyant chrétien ne devrait pas s'asseoir pour que quelqu'un n'importe qui vienne. You have to know whom you worship. Les cellules ou les trompes. You have to know whom you trust. Vous devez connaître celui en qui vous avez foi. You have to know whom you believe. Vous devez connaître en qui vous croyez. I so much love the writers of King David.
Et j'aime beaucoup les écrits du roi David. Because since he believed in God, he did not allow any confusion to come to him or his people. Car depuis qu'il avait cru en Dieu, il ne voulait pas qu'aucune confusion ne puisse venir dans sa vie. Unless you want to confuse yourself. À moins que vous voulez être dans la confusion vous-même. But that was not the work of David to his people. Et ce n'était pas le travail de pour David. David tell his people who God is. David disait à son peuple qui Dieu était. And he made them to know how proudness he is to have such God. Et il dit, voulait les faire comprendre comment il était fier de pouvoir avoir un tel Dieu. Let me show myself and you something in that place. Et je vais me montrer à moi-même à vous aussi quelque chose ainsi dans that same chapter that we read, we go to verse 30. Et dans ce même chapitre, nous allons au verset 30. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in him. Amen. Alléluia. Amen. Comme pour Dieu, ses voies sont parfaites. La parole de Dieu est une parole éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. That is what God is with his children. C'est comme ça que Dieu est avec ses enfants. Who believe in him. Qui croient en lui. Verse 31, they say, for who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? That is who he is. Au verset 31 en anglais, je traduis directement de parce que ce n'est pas la même chose en français. Car qui est Dieu si ce n'est Dieu? Et qui est le rocher si ce n'est notre Dieu? It is God that gripped me with strength and made my way perfect. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui me scint de force et qui rend ma voie, mon chemin parfait. You see what God's glory is in us. Et voit comment la gloire de Dieu est en nous. You see how he commands his glory for his children that believe in him. Et voit comment il leur donne sa gloire dans les enfants qui croient. Then why will you sit down for somebody to come from nowhere and deceive you? Et pourquoi vous allez vous asseoir et laisser quelqu'un qui vient de n'importe où? The word of God is in you. La parole de Dieu est en vous. And this word it takes make me and you. Et c'est là, la parole de Dieu nous parle à voir. It's a perfect God that never changes. Et c'est un Dieu parfait qui ne change pas. As it was the day that he made Adam and Eve. Comme il était quand il a créé Adam et Eve. So he is till this moment. Et il demeure la même chose aujourd'hui. And so he shall be till the day of rapture. Et il le sera de la même façon jusqu'au jour d'enlèvement. You have power and glory of God in you. Vous avez la puissance et la gloire de Dieu en vous. That you can show that deceiver the word of God. Et que vous pouvez montrer à ces troncs, à ces séducteurs la gloire. And you will see that it will go with shamefulness. Et vous verrez qu'il s'en ira avec la honte. When you show him the words of God. Quand vous lui montrerez la parole de Dieu. He said that thou hast enlarged my steps. Verse 36. Thou hast enlarged my steps under me. Dit que tu as ainsi élargi mes pas sous moi. That my feet did not slip. Dans sorte que mes pieds ne vont pas glisser. I have pursued my enemies. Je poursuis mes ennemis. And overtake them. Et je le vins. Neither did I turn again till they were consumed. Et je ne reviens pas avant de les avoir ainsi anéantis. You preach the word of God to those that come with fake news. Et vous prêchez la parole de ceux qui viennent avec des faux messages. And you not need to leave them till they vanish away for your et vous ne les laissez pas que ceux qui soient anéantis. You preach the word of God with prayer. Et vous prêchez la parole avec la prière. And they will go away from you. Et ils s'en iront loin de vous. They will see you that, oh, that is ongoing soon. Et vous verront que vous êtes vraiment... I don't need to go to Mr. So-and-so because the seal of perfect God is in him and her. Je n'ai pas besoin d'aller vers telle et telle personne car il a le sceau de Dieu en vous. I will not able to win. Et je ne pourrais pas le do you see what I do for unbelievers when they come and say they want to say the word of God to me?
Et voyez ce qu'elle fait avec les écrans, qu'elle vient de nous dire la parole de Dieu. Quiet, they are talking and talking and talking. Et Jésus calme, il parle, il parle, il sait parler. When they talk for some hours or for some minutes, et quand ils ont parlé pendant des heures ou des minutes, they turned to me and said, you don't have a word to add. Vous n'avez rien à ajouter. I told them until you show me what you say in the Bible. J'ai dit jusqu'à ce que vous me montrez ce que dit dans la Bible. Which is the word of God. Qui est la parole de Dieu. And that is what I can, where I can add something. Et c'est là où je pourrais ajouter quelque chose. But when you not show me that, mais si vous me dites pas cela, I stand for what God instructed me. Et je demeure avec ce que Dieu m'a donné. That I should seek Him first. Que je dois le chercher d'abord. I should trust in Him. Que je dois call. I should call unto Him. Que je dois l'invoquer. That He will direct me for all these steps. Et qu'il me conduira dans tous ces voies. That I needed to go. Que je dois aller. So, what you talk if I'm not be party of that? Et qu'est-ce que vous dites si ce n'est pas, pas partie de cela? No, that is not important to my ears. Ce n'est pas important à mes oreilles. That is how God glory is in us. Et c'est comme ça que Dieu tire sa gloire de nous. See what he said there for verse 47. Et verset 47. It is good that avenge me and subdue the people under me. C'est Dieu qui me venge et qui m'assujettue ou qui met le peuple sous moi. It is God that avenge me and subdue the people under me. Amen. C'est Dieu qui me venge et qui m'assujettue le peuple. So when people come with all those bad news to you, et quand les gens viennent avec ces fausses nouvelles vers vous, if you don't have anything to add, si vous n'avez rien à ajouter, leave them to God. Laissez ça à Dieu. Say go on your way that God give you a Holy Spirit. Et go about the chemin que Dieu vous a donné son esprit. That will talk what you can hear. Qui vous enseigne ce que vous devez entendre. He will teach to you what you can listen. Et vous enseigne ce que vous devez écouter. He will direct you to the way of truth. Et qui vous enseigne, qui vous conduira dans la voie de la vérité. The Spirit of God is not nothing. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. He is not confusing spirit. Il n'est pas un esprit de confusion. It's a perfect spirit that God was sanctified and blessed. That spirit. C'est un esprit parfait que Dieu a sanctifié. Before he sent for us. Avant d'envoyer vers nous. And he doesn't send for us. Say go and tell and depart. Il dit pas les dire puis revenir. He said teach them and dwell with them. Il dit enseigne-leur et demeure avec eux. For verse 48, they say he delivered me from my enemies. Il dit que il me délivre de mes ennemis. Yeah, thou liftest me up above those that rise up against me. Et dit que tu m'élèves au-dessus de ceux de mes adversaires. That has delivered me from the violent man. Et tu me sauves de l'homme violent. That is how glory of God is in us. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu est en nous. That is how perfect God is in us. C'est comme ça que Dieu est parfait en nous. Therefore will I give thanks unto thee. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Oh Lord, among the heathen. Oh Seigneur, parmi les nations. And sing praises unto thy name. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Great deliverance giveth he to his king. Une grande délivrance il accorda au roi. And shows mercy to his anointed. Et en manifeste la miséricorde à son roi. To David. À David. And to his seed forevermore. Et à sa postérité à jamais. Hallelujah. Amen. God is conquer for his children. Dieu remporte la victoire pour ses enfants. He give us all his glory. Il nous donne toute sa gloire. And we should return the glory of God to him with thanksgiving. Et nous devons lui retourner la gloire avec la reconnaissance. With a sound and perfect mind. Avec une pensée propre. Because God is not giving us a fake gift. Parce que Dieu nous a pas donné. He gave us a perfect gift.
un don faux, mais il a donné un don parfait. That never fail. Qu'il ne faillit jamais. Hallelujah. Amen. May the grace of God. Que la grâce de Dieu. Lead us. Nous conduise. Direct us. Nous dirige. And teach us to follow the glory of God. Et nous enseigne à suivre la gloire de Dieu. Wherever we are. Amen. Partout où nous serons. That God should be joyful every moment with us. Que Dieu soit joyeux avec nous tous les moments. He doesn't leave any of us astray. Il ne veut pas que l'un de nous puisse s'égarer. If you remember all the hymns that we sing from the beginning. Que vous rappelez tous les chants que nous avons chantés au début. This is going to build the word of God in our lives. Et cela c'est pour ériger la parole de Dieu dans nos vies. That we shall not be moved. Que nous ne puissions pas être. No matter what come across. Qu'importe ce qui pourrait venir au. We shall not be moved. Que nous ne soyons pas dérangés. God is with us. Dieu est avec nous. Can you please give me that hymn, please? We shall not be moved. Que nous ne serons pas bougés. Jésus est mon sauveur. C'est la parole. Let us sing this hymn together, please. Jesus is my Savior. I shall not be moved. I'm not afraid.
all have to go into prayer to God. Nous allons maintenant aller à Dieu dans la prière. Now let God's word hold us firm. Que Dieu nous tienne tous fermement. That we shall not be moved from the fake news that we are hearing around the world. Nous ne puissions pas être dérangés ni déplacés par des fausses nouvelles. Because God already been given us the perfect gift. Car Dieu nous a déjà donné un don parfait. One of the perfect everlasting gifts he gave to us, Jesus Christ. Un don éternel qu'il nous a donné, Jésus Christ. Trust in Him. Croyez en lui. Believe on Him. Croyez en lui. Obey His word. Obéissez à sa voix. His Holy Spirit will teach us all other things. Et le Saint-Esprit nous enseignera d'autres choses. Amen. Let us pray. Prions. Our Lord, Father in heaven, we thankful to you. Notre Seigneur Père, dans le ciel, nous te disons merci. Before you made man into the world, avant que tu aies créé l'homme sur la terre, you are there because you are the Word. Parce que tu es là parce que tu es la parole. And that Word you take to form man and other things. Et cette parole tu l'as utilisée pour créer l'homme et tout. And when you form man, finish, and you breathe the breath of yours to the man. Quand tu as fait l'homme, tu as soufflé le souffle de vie. And that shows your glory in our life. Et cela montre ta gloire en nous. And you tell us to obey you. Et tu nous demandes de t'obéir. You tell us to trust in you. Tu nous demandes You tell us to believe in you. Demande de croire en toi. That we should not be moved to left or right. Que nous ne puissions pas être bougés, balottés de gauche à droite. We should focus our attention to you. Que nous puissions nous focaliser sur toi. You are our deliverer. Tu es notre délivrance. You are our bouclier. Tu es notre bouclier. You are the horn of our salvation. La force de notre salut. You alone we should be worshipped. Toi seul dois être adoré. And glorify all the days of our life. Et glorifie tous les jours de nos vies. Thank you because you are a God that never fails. Merci parce que tu es un Dieu qui ne faillit jamais. Any other God that will come before you is fake one. Et tout autre Dieu qui pourrait venir devant toi. Any other God that people may lead us to is fake one. Et notre Dieu que les gens peuvent nous dire. You are the God that made heaven and earth. Tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre. And put everything in places. Et qui a mis toutes choses en place. And you see that all what you made is good and perfect. Et tu as vu que tout ce que tu as fait. And you blessed them. Et tu as blessé, tu as béni. Glory be to your name. Que ton nom soit béni. Thank you for your word. Merci pour ta parole. A word of comfort. La parole de réconfort. A word of glory. La parole de gloire. A word of promises. La parole de promesses. A word that never fails. La parole qui ne faillit pas. God, let us not be moved. Let us be firm and faithful. Accorde-nous d'être ferme et
et croyant. To you alone. À toi seul, fidèle à toi. We pray here for ourselves. Nous prions pour nous-mêmes ici. We pray for other churches. Nous prions pour les autres. For them to see the light. Qu'ils and to follow the light that comes from Jesus Christ alone. Suivent la lumière qui vient de Jésus. We pray for other brethren that travel or at work. Nous prions pour les autres frères qui sont en voyage. We pray for those that are not joining us here yet. Nous prions pour ceux qui ne sont pas encore rejoints. Let your blessing follow all of us. Que tes bénédictions suivent tout en partout. Thank you for hearing the prayer. Merci pour avoir écouté la prière. Thank you for forgiving our sins. Merci pour avoir pardonné nos péchés. And thank you for answering all our prayers. Merci pour avoir répondu à toutes nos prières. According to your riches in glory. En accord avec ta richesse dans la gloire. In Jesus' mighty name we pray. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. I don't know whether there is any prayer request or any. Yes, yes. Okay. All right. Any other one? Yeah. Thank the Lord for helping me to get my car today. You got your car. And hallelujah. Help me to, for the car to run well and stuff like that. Want to just test the car. God that give you the car will perfect everything. Thanks be to God. Congratulations. So, yeah, David. Today I finish school. You finish your school today? Yeah. On holiday, you're not finished yet. So you still have more to go. So thank God that you are getting holiday to enjoy and to play more in the house. Mm-hmm. That's good. I think, okay, we have to pray for this. And we give God the glory. Yeah. Let us pray. Pray. Our Father God in heaven, we're thankful to you. Notre Père au ciel, nous te sommes reconnaissants. Thank you for what you've done for your children. Merci pour ce que tu as fait pour tes enfants. Thank you for what you're going to do more and more. Merci pour ce que tu feras encore davantage. Thank you for the sound health and the life that you gave to us. Merci pour la bonne santé, la vie que tu nous as donnée. Thank you for those that are sick for different kinds of sickness, you alone to heal them. Et merci pour ceux qui sont malades, différentes maladies, que tu es le seul à pouvoir les guérir. Nothing is impossible for you to do. Rien n'est impossible pour toi d'accomplir. We come to you because you are able. Nous venons à toi parce que tu es capable. You are more than able. Mais plus que capable. You answer all the prayers and all the languages that come to your presence. Nous, tu réponds à toutes les prières, toutes les langues qui viennent à toi. There's no languages you not heard. Il n'y a pas de langage que tu ne comprennes pas. All the lines come direct to you. Et toutes les langues viennent directement. And you hear all and answer all. Et tu réponds à tout ce que tu. From your glory and your love. Depuis ta gloire et ton amour. Thank you for your blessings. Merci pour tes bénédictions. Thank you, your son is keeping his traveling tomorrow for your presence. Merci, ton fils va voyager demain pour. God, we commit him to your own mighty power. Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Lead him and guide him. Conduis-le, protège-le. Bring him back safely, God. Ramène-le sain et sauf. We're not commanding you. Nous ne te commandons pas. But we pleaded you for what all you can do. Mais nous te supplions pour tout ce que tu peux faire. That is why you tell us to ask, you will be given to c'est us. C'est pour ça que tu nous as demandé de demander. You tell us to seek and we shall find. Tu nous as demandé de chercher et que nous trouverons. You tell us to knock that the door will be open. Tu nous demandes de toquer, la porte sera ouverte. Thank you for all your blessings to your children. Merci pour toutes les bénédictions pour tes enfants. Thank you for the car that you've given to your son. Merci pour la voiture que tu as donné à ton fils. You gave him power to walk and achieve this goal. Tu lui as donné la force de travailler pour atteindre ce but. Glory be to your name. Gloire à ton nom. He presented the car for your own presence. Il a présenté la voiture en ta présence. Take control for everywhere he will drive into. Prends le contrôle de partout où il ira avec sa montre. Guide him and repair the car beyond the reasonable doubt. Please. Garde-le, protège-le dans toutes choses.
Thank you for the strength and the money you gave to him. Merci pour la force et l'argent que tu lui as donné. Thank you that you made him to see your blessing in your life. Merci parce que tu lui as permis de voir tes bénédictions dans sa vie. Glory be to your name. Gloire à ton nom. Thank you for making him to remember to present this for you. Merci de l'avoir rappelé de présenter cela pour toi. And thank you for your children that you lead them from the beginning of the school day to the closing day. Merci pour tes enfants que tu as gardés depuis le début de l'année scolaire jusqu'à la fin. Bless them all for this holiday time. Merci, bénis-les pour cette période de vacances. Wherever they will play in to be with them, God. Et partout ils iront jouer soit avec eux. As you be with them in the school, comme tu étais avec eux à l'école, we commit them all and their teachers for your own mighty hand. Nous leur remettons tes mains ainsi que leurs enseignants. Take control of everything within us. Mais prends contrôle de chaque chose dans nous. Bless this church, bless every individual. Bénis cette église et bénis chaque individu. Bless our brethren that are not here. Bénis nos frères. Bless us beyond the reasonable doubt. Bénis tout chacun au-delà de tout raisonnement. We asking you, Lord, to fill more members for this church. Nous te demandons de remplir pour d'autres membres dans cette église. That they can follow the truth, believing to believe in you. Et qu'ils puissent suivre les la véritable foi. And to trust you as their savior. Et qu'ils puissent avoir que de faire confiance en toi. Hear all our prayers. Et qu'ils écoutent toutes nos prières. And you receive all our thanksgiving. Et qu'ils reçoivent tous nos remerciements. You bless us beyond the reasonable doubt. Et tu nous bénis au-delà de tout ce qui. Glory be to your name forever and ever. Gloire à ton nom à jamais. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 I think Brother Paul is everything to tomorrow we have the service. Tomorrow there will be a prayer meeting. Amen. And there will be a Sunday service on Sunday. Amen. By the grace of God. Amen. God bless every one of us in Jesus' mighty name. Amen. Amen.